tout le monde, j'espère que vous allez super bien. Donc aujourd'hui je suis super contente de vous retrouver pour ma toute première vidéo sur le thème de Noël. J'adore beaucoup beaucoup Noël et je sais que vous aussi. Sur Snapchat je vous ai demandé des idées de vidéos et vous avez été très nombreux à me demander cette vidéo là. Donc tout simplement des idées de cadeaux. Et moi j'ai voulu changer un petit peu, donc j'ai voulu faire des idées de cadeaux pour lui. C'est à dire pour votre papa, votre meilleur ami, votre petite amie, votre cousin, voilà peu importe. Mais des idées de cadeaux pour les mecs, parce que c'est vraiment très difficile à choisir. Je sais que c'est un casse-tête chinois, c'est super dur à choisir le cadeau parfait qui ferait hyper hyper plaisir. Donc voilà, dans cette vidéo on va voir un petit peu quel cadeau pourrait les intéresser. Alors bien sûr comme toujours, si cette vidéo vous intéresse, je vous dis à tout de suite, c'est parti. Alors je ne pouvais faire cette vidéo sans commencer par une partie qui plaît beaucoup beaucoup, c'est bien sûr la partie high tech. Donc c'est une partie qui plaît beaucoup beaucoup aux garçons et surtout qui est très bien mise en avant chez la Fnac ou dans d'autres magasins un petit peu comme ça. Donc tout d'abord je vous recommande les jeux vidéo, voilà, donc vous avez les jeux vidéo et les consoles. Donc au niveau des jeux vidéo vous avez bien sûr les consoles, donc tout ce qui est PS4, Nintendo, Xbox, et bien sûr n'oubliez surtout pas les jeux qui vont avec, donc vous avez GTA, Call of Duty, vous avez également FIFA 2016. Ah oui, et aussi je vous recommande les packs parce que c'est beaucoup plus intéressant au niveau du prix, c'est avantageux, et puis aussi ça permet à la personne qui aura la console de s'amuser un petit peu, d'avoir quelques jeux sous la main. Donc les packs c'est vraiment ce qui vous permet d'avoir une console plus des jeux avec, c'est vraiment très intéressant, donc pensez-y aussi. Côté informatique, c'est un secteur que j'aime trop trop trop, donc pensez à tout ce qui est téléphone portable, PC, voilà, si la personne a besoin d'un ordinateur, on ne sait jamais, donc renseignez-vous et essayez de réunir une somme. Sinon pensez également aux tablettes, iPad, etc. Il y a des petites tablettes assez sympas qui coûtent pas très très cher, donc ça peut être pas mal. Et surtout n'oubliez pas les coques, pour téléphone portable c'est toujours utile, et aussi pour les PC. Moi j'ai une coque rose pour mon MacBook et je trouve que c'est très bien parce que ça fait un petit peu ça fait chic, ça fait joli, ça fait girly, et en même temps ça permet surtout de protéger mon MacBook, voilà. Ça permet qu'il ne soit pas rayé, etc. Donc pensez vraiment à tout ça. Bon, après attention, je vous dis pas de prendre une coque grosse bien sûr, mais faites votre petite enquête pour savoir un petit peu ce qui peut plaire. Et puis c'est vrai que les coques on n'y pense pas souvent, et pourtant c'est super super utile, ça évite beaucoup de dégâts, ça évite bien des dégâts, donc pensez-y aussi. Ensuite côté photo et caméra, pensez à tout ce qui est appareil photo numérique, ça peut servir assez souvent, ce qui est également réflexe, et enfin les GoPro qui plaisent énormément aussi. Et donc ensuite côté musique, on passe à la partie casque et enceinte. Pensez à tous les casques qui plaisent beaucoup, qui sont très à la mode, comme les casques Beats. Ensuite bien sûr vous pouvez penser aux casques de gaming si la personne intéressée adore le gaming. Et puis après il y a les enceintes aussi qui sont pas mal, surtout vous savez les enceintes sans fil pour iPhone, etc. C'est vraiment pas mal aussi. Au niveau des films et séries, pensez à tout ce qui est coffret DVD, les films, les trilogies, un petit peu tout ça. Pensez également aux livres, donc ça c'est un secteur à part. Et bien sûr pour le secteur de la maison, pensez à tout ce qui est cafetière Nespresso, les petites cafetières Nespresso, voilà. Et tout ce qui est aussi Tassimo, j'aime beaucoup beaucoup la Tassimo. D'ailleurs c'est dans ma wishlist aussi, donc pensez un petit peu à tout ça. On passe cette fois-ci à la mode, parce que vous savez que les garçons aiment prendre soin d'eux et surtout être à la mode, voilà, être bien habillé, etc. Donc pensez à tout ce qui est portefeuille, ça plaît beaucoup beaucoup. Les gourmettes également, donc gravées ou non. Pensez aux ceintures aussi, les ceintures ça plaît énormément. Il y a aussi les chaussures, donc pensez aux chaussures chic, parce que c'est vrai que les garçons n'y pensent pas tout le temps, et avoir une paire de chaussures assez classe dans sa garde-robe ça fait pas de mal. Sinon pensez également aux baskets, parce que ça plaît beaucoup beaucoup, voilà, chez Foot Locker, Go Sport, Decathlon, peu importe. Je sais que chez Foot Locker il y a souvent les tendances qui sont bien mises en avant, donc si la personne aime le sport ou la mode un petit peu sportswear, pensez-y aussi. Et enfin bien sûr dans la partie mode, pensez à tout ce qui est joli pull, voilà, les beaux pulls, les chemises, les pantalons, les manteaux aussi, on n'y pense pas toujours, voilà. Donc là vous avez plein de magasins différents, vous avez Zara, H&M, Gucci aussi si vous avez un petit budget intéressant, voilà, que vous voulez un petit peu marquer le coup. Après il y a Eleven Paris, enfin il y a plein de boutiques sympas, il y a Celio aussi, enfin il y a plein de marques, vous les connaissez, donc voilà. Alors cette fois-ci on passe à la partie soin. Ça peut vous étonner mais les mecs aiment beaucoup beaucoup prendre soin d'eux, de plus en plus les hommes adorent prendre soin d'eux, c'est devenu une tendance et c'est vraiment bien je trouve. Alors côté parfum, je vous recommande vivement d'aller chez Sephora, Marionneau, Nocibé et opter pour des coffrets de parfum. Vous savez les petits coffrets, à l'intérieur vous avez par exemple un petit gel douche ou une petite crème pour bien s'hydrater en plus du parfum. Ça incitera monsieur à prendre bien soin de lui, et sinon n'hésitez pas à prendre un parfum qu'il aime beaucoup. Donc oui par exemple s'il n'en a plus, n'hésitez pas à lui racheter, ça fera super plaisir. Et puis ça durera longtemps, hein. Généralement les parfums ça dure assez longtemps. Et aussi pensez aux best-sellers, si vous n'avez pas trop quoi offrir, n'hésitez pas à vous renseigner sur les tendances du moment, etc.
Ensuite, il y a les masques qui plaisent beaucoup. Donc faites des masques à votre chéri de temps en temps, par exemple. N'hésitez pas à lui faire ça pour prendre soin de sa peau, de son visage, etc. Pensez au rasoir électrique aussi, ça plaît énormément ça aussi. Et enfin, côté sport, s'il aime le foot, le tennis ou peu importe, pensez à tout ce qui est accessoires, place de foot, place de tennis, etc. Ça peut être pas mal. Pensez également aux stages de pilotage, ça c'est très bien aussi. C'est vrai que les garçons aiment beaucoup tout ce qui est voiture, etc. La course, la vitesse, donc pensez aux stages de pilotage. Je crois que ça coûte à partir de 79€, donc ça peut être assez avantageux. Et sinon il y a aussi les stages de plongée sous-marine, les stages aquatiques et nautiques, ça peut être intéressant aussi. Et enfin les stages de photos si votre copain, votre cousin, etc. est passionné de photos. Donc c'est à partir de 30€, après il y a un petit peu tous les prix, donc pensez à ça aussi. Et en parlant de sport d'ailleurs, il y a aussi quelque chose que j'aime beaucoup, donc ça ressemble à un waveboard. C'est à la mode en ce moment mais je sais pas du tout comment ça s'appelle. Vous savez, c'est là où il y a deux roues comme ça et après on est debout dessus et ça roule tout seul. Ça a l'air pas mal. Dites-moi si vous savez comment ça s'appelle parce que moi je sais pas du tout. Et pour finir, quelque chose qui plaît beaucoup beaucoup, ce sont bien sûr les coffrets cadeaux Smartbox. Donc ça a connu un très bon succès parce que ça permet à la personne à qui on l'offre de choisir un petit peu librement ce qui peut l'intéresser. Donc vous avez pas mal d'idées. Donc soit vous avez les spas, les week-end spas en amoureux, pensez-y, c'est pas mal du tout. Il y a également les restos, voilà, les restos étoilés, etc. Les voyages insolites et les pilotages et frissons, donc vous avez un petit peu de tout. C'est vraiment pas mal aussi. Et puis voilà, côté cadeau pour hommes, j'espère vraiment que cette vidéo vous aura aidé et surtout qu'elle vous sera utile. Moi j'ai eu plein d'idées que j'ai vraiment eu envie de partager avec vous. Mais après, si vous aussi vous en avez, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires parce que ça m'intéresserait vraiment vraiment de savoir. Et ça permettra un petit peu à tout le monde d'avoir encore plus d'idées. Donc c'est intéressant, voilà, pour votre copain, votre meilleur ami, votre cousin, votre papa, votre oncle. Voilà, c'est vraiment très difficile de choisir d'habitude. Donc n'hésitez pas un petit peu à checker mes petites idées. Autre chose que je voulais dire aussi, n'hésitez surtout pas à bien vous renseigner, à mener un petit peu votre petite enquête pour savoir ce qui peut leur faire plaisir. Je crois que c'est le plus important. Donc renseignez-vous au niveau des goûts, du style, des passions, voilà, un petit peu tout ça. J'espère vraiment que ça vous a plu. En tout cas, en attendant une prochaine vidéo, je vous fais plein d'énormes bisous et surtout prenez soin de vous. Ciao ciao.